Avec même émission noire, émission nous connaît qui aurait mis en pile là. Donc nous sommes dans la rubrique jour va, jour vient, en créole qui dit jour aller, jour tourner. Je vous dis, c'est 14 janvier lié. Mais 14 janvier 1852 est promulguée en France nouvelle constitution. Le 14 janvier 1858, Félix Orsini commet un attentat contre Napoléon III devant l'opéra dans la rue à Paris. Et le 14 janvier 1930, André Maginot, ministre de la guerre dans le gouvernement Tardieu en France. Le 14 janvier 1930, le ministre de la guerre André Maginot fait voter une loi pour construire une ligne fortifiée à la frontière de la France destiné à protéger le pays contre une éventuelle nouvelle guerre. 14 janvier 1963, le général de Gaulle rejette la candidature du Royaume-Uni au marché commun. 14 janvier 1977, madame, monsieur, la mort de Henri Langlois, fondateur de la Cinémathèque française, mort de l'ancien premier ministre britannique Sir Anthony Eden. Toujours 14 janvier 1977, suite aux élections, Madame Indira Gandhi retrouve son poste de premier ministre de l'Inde jusqu'à son assassinat le 31 octobre 1984. Le 14 janvier 2011, le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali quitte la Tunisie pour se réfugier en Arabie Saoudite. Le 14 janvier 2021, en Égypte, ça veut dire que je n'ai pas parlé là même, je dis à même, du 14 janvier au 31 janvier, le 27e championnat du monde des handball masculins réunit 32 pays, dont la France, dans un contexte sanitaire compliqué. Nous connaissons qu'il y a une question de COVID-19 qui est très compliquée, qui en vogue qui dans tous les pays du monde. Ben, je vous dis, il faut que nous disions très bien, c'est en Égypte, ben, championnat ça l'a déroulé sur le 14 janvier, sur le jour d'hier, arrivé 31 janvier. Cap vini là et c'est 27e championnat du monde de handball cap démarré. Le 14 janvier 1907, un tremblement de terre ravage la Jamaïque à Kingston et ça peut faire environ 1000 morts. 14 janvier 1867, Pérou déclaré la guerre à l'Espagne. Donc, maintenant qu'on y a, nous allons parler de l'obscurantisme, mais avant de nous parler de l'obscurantisme, nous connaissons l'obscurantisme qui s'allie dit réellement. Donc, c'est mon qui contraire toujours à la propagation du savoir. Mais je dis à nous-mêmes qui c'est Napoléon, une émission qui a fait promotion pour savoir, promotion pour lumière. Donc, nous pas capable de dans fait noir. Nous pas capable de tout. Donc, non niveau côté que nous pas capable de penser peut-être pas nous. Donc, il faut que non seulement penser peut-être pas nous, mais il faut que nous penser pour l'autre monde. Donc, ça nous connaît, il faut nous partager avec le monde. Et c'est ça qui fait nous parler ce qui sens ça gagne. Leur partager une information, leur partager ça où on est, qui sens ça gagne. Donc, je ne sais pas si madame, il est là pour côté moi, si elle a un mot à dire. Donc, elle dit qu'elle ne peut pas dire rien. J'espère que l'Abdoul Babaï quand même avant de nous finir. Mais nous voulons parler des obscurantistes qui s'allient. Obscurantistes, c'est toujours des gens qui toujours prennent des idées.